Ces individus ont violé allègrement les dispositions de l'arrêté numéro 041/PCMT/PM/MSPI/2021 du 7 mai 2021 portant interdiction de la marche dite pacifique initiée par la coordination des actions citoyennes Wakitama en s'adonnant aux actes de vandalisme et créant de troubles à l'ordre public. Vigilantes et professionnelles, les forces de l'ordre ont pu maîtriser la situation en interpellant les casseurs pris en flagrant délit qui seront mis à la disposition de la justice. Le bilan de cette manifestation se présente comme suit. Un blessé, 21 personnes arrêtées à N'Djamena, une habitation privée brûlée et le drapeau d'un pays ami brûlé ainsi que des pneus et des hangars. La police nationale profite de cette occasion pour réitérer l'engagement des forces de l'ordre d'encadrer les manifestations pacifiques autorisées et en appel à l'esprit civique de tout un chacun.